quoi ces scouts, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes devant à 500 km/h. Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur. Je ne capte pas d'identification, mais sa signature LADAR est celle d'un vaisseau GET. Maintenant, on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact. Que s'est-il passé? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs. On vient de passer dans leur enveloppe. L'œil du cyclone, en somme. Il y a pas mal d'endroits où se planquer ici. Que s'est-il passé? Le moissonneur a installé des barrières cinétiques. De là où on est, on ne va pas pouvoir passer. Piégé dans un moissonneur, ça me donne des envies de meurtre. Le Normandie a des canons. Servez-vous-en. Le Normandie n'a pas la puissance de feu nécessaire. Les boucliers des moissonneurs sont capables de résister à des tirs de cuirassés. Shepard, qui dit barrière cinétique, dit forcément générateur gravitationnel. Même les moissonneurs ne peuvent pas y déroger. Au moment de l'activation, j'ai observé une crête thermique dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave. Je vous transmets les coordonnées. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève, ouais! On va d'abord chercher les survivants et les données de recherche. Et ensuite, on virera du ciel ce tas de ferraille. Tenez-vous prêts à nous exfiltrer. Je n'ai pas l'intention de me retrouver écrabouillé au cœur d'une naine brune. Bien sûr, bonne chasse. Mais je crois qu'on tient notre espèce. Shepard, prenez aussi le Get. Ça doit bien pouvoir se revendre. Et si on l'embarquait, on pourrait en faire une lampe? Tali affirme que personne n'a encore capturé de Get intact. Ça m'a l'air marrant. Mais compte pas sur moi pour trimballer ça. Je t'en presse. Allez! De notre passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau d'IDEA.
Un Get intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un Get intact. Jacob, c'est à cause d'Eden Prime que je donne le Get à Cerberus. Miranda a raison, on a besoin de meilleures armes. Il faut raisonner de façon globale. Oui, chef. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Il convient d'effectuer des tests exhaustifs avant de chercher à passer le relais Oméga 4. Il faudra un certain temps pour l'intégrer à nos systèmes. Avertis-moi quand ce sera terminé. D'ici là, on va continuer à renforcer nos rangs. Certainement, Shepard. L'équipage va entamer les travaux sans attendre. Je vous avertirai quand nous serons prêts à tester le module.